Salut les Aspinous, c'est le quatrième opus de J'aurais dû. Alors l'autre jour, je me suis rendu chez une copine qui m'a fait visiter son nouvel appartement. Un appartement qu'elle et son mari sont en train de rénover. Alors même si à la base, j'avais pas du tout l'intention de faire une visite de chantier, son mari a jugé bon de mal paguer pour faire le petit tour du propriétaire. Oh bien. Et au moment où nous sommes rentrés dans la pièce qui était la moins finie de toutes les pièces, et le sol, vous pensez le changer quand? Parce que le lino est vraiment dégueulasse. J'ai dit une connerie? Bah en fait, le sol, je viens de le changer. Ah oui, j'avais mal regardé. Visiblement, en matière d'esthétisme, on se situe pas au même niveau. Je vous cache pas que ça a pété l'ambiance. Et à ce moment-là, tu sors les rames. Il nous faudrait un plus gros bateau. Mais après, c'est vrai que tous les goûts sont dans la nature. Et en fait, l'erreur dans cette histoire, c'est que j'ai donné mon avis alors qu'on m'avait pas demandé. Je pense que la prochaine fois que je vivrai ce genre de situation, je ne dirai rien. Ou alors j'attendrai qu'on me demande clairement mon point de vue, et j'essaierai d'accorder mon propos en fonction de ce qui sera de bon ton de dire. J'essaierai de repérer certains signaux en amont, qui me permettra de donner un avis personnel complètement conditionné par les attentes que j'aurais repérées chez les autres. N'empêche qu'à la base, ça m'intéressait même pas de visiter cet appartement. Si j'ai dit oui, c'est pour manifester un peu d'intérêt. Je sais pas si j'aurais dû.